Dis donc, elle est un peu belle, celle-là. C'est au moins une 6-cylindres. Hein? Un peu mieux. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Là, je peux très bien lui claquer la gueule sans m'énerver. Tu reçois gentiment. Et surtout pas d'impair, hein. Vous allez voir, là où j'ai surtout fait un effort, c'est sur les chambres d'amis. Dis donc, le café est servi. Croyez-moi, vaut mieux renoncer puis se faire une raison. On aura fait un beau rêve, quoi, c'est tout. 30 ans de fausse monnaie, pas un accro. Les gens de sa partie l'appellent le daube et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blase. Une épée, quoi. Dis-moi, qu'est-ce qui te prend de vouloir faire de la fausse prêche? Qu'est-ce qui se passe? Mon pote, tu peux pas savoir ce qu'est devenu la vie en France. Maintenant, dis donc, Charles, si t'as besoin de quelques briques, tu sais que je suis toujours un peu armé, moi. Oh non, j'en suis pas encore là, je suis pas venu pour te bottiner. Quoique la fraîche, elle décore petit à petit, puis si ça continue comme ça, de ces quatre, je vais me retrouver sur les jantes. Dis donc, il est giron, ton petit sommelier. Ouais, ça te gêne de me le dire? Ça me gêne, oui, ça. Ça me gêne pour toi. C'était sulfureux. Je me demande à quoi vous passez le temps à votre brigade. Bah quoi? Les faux, c'est pas vous que ça concerne, non? Hein? Jolie bête, hein? Mais il sait tout faire, ce coco-là. Tu commences à comprendre, hein? Mais. Tu vois, si j'étais chez moi, comme tu le disais si gentiment, ben, je mettrais ça ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Il serait mieux près de la fenêtre. Tu le verrais où, toi? À la cave. Tout, il n'y a rien de fait. Georgette! Oui, voilà! Un de ces jours, je vais lui filer une avoine à celle-là. Il travaille. Où? Alors, mademoiselle, je voudrais passer une annonce dans la rubrique échange. Mais Maître Lucas n'a pas voulu dire ça. Ni ça, ni autre chose, j'ai horreur des pousse-mégots. À demain, Lucienne. Voilà. Passons la main qu'en fouine, on s'appuie à l'aise. Alors, comme ça, t'es toujours dans la fleurette. Oh, m'en parle pas, un désastre. Tandis que maintenant, ces demoiselles, elles veulent là, quatre chevaux, le frigidaire. Ah, à la bonne note, Ferdinand. Ouais, tiens. Ah, écoutez, monsieur. Moi, je suis venu parce que ma femme m'y a poussé. Alors, s'il faut passer à confesse, ou fournir des certificats de vaccin, alors là, je vais m'autant vous dire. Hein. Ah, bah, hein? Alors là, vous pouviez pas mieux tomber parce que sans me vanter. Pour la couleur, bah, vous avez devant vous un petit chef. Eh ben, dites donc, mais j'ai un drôle de vase, moi. Ah ben, dites plutôt que c'est moi qui suis cocu, oui. Tu sais pourquoi t'as jamais ton journal à l'heure? Non. Parce que mademoiselle le lit en priorité. Je l'ai pincé hier soir. Et tu sais ce qu'elle lisait, cette andouille? Le crime ne paie pas. C'est pas vrai. Si, où tu vas? Correctionnez, mademoiselle.